où est-ce qu'on est, mon Flo? Direction, enfin arrivée plutôt, à CrossFit Démon. On va aller voir Isto, Bistro. Comme dit Lucas, on va aller voir Bistro. Et normalement Flo, je crois aussi. Et puis quelques adhérents. Fais-nous rêver. Oh, t'es facile. T'as fait l'armée, non? Faut que tu passes au-dessus, hein. Oh, il le tente. Une rep, c'est vraiment passé par-dessus? Ouais. Oh, merde. Mettre les mains à l'envers, de côté, c'est vraiment... Ah, j'ai l'impression que là, t'es en pleine hésitation, là. J'hésite sur ma technique. Je crois que c'est Fraser qui s'est pété une côte en descendant. Ah non, c'est Vellner. Ah, t'as joué la sûreté sur le côté quand même. Et maintenant, faut faire le retour. Ah, faut pas chipoter, faut pas tenter des descentes trop excessives. Bon, mon Flo, tu peux me faire visiter un peu ta box? M'expliquer un peu l'histoire de CrossFit Démon, tout ça. L'histoire de CrossFit Démon? Bah ouais. Tu veux vraiment qu'on commence par le début? Bah ça ouais. Risque d'être long. Hein. Ouais, je veux bien. Ça va durer longtemps la vidéo. C'est vrai? Non, en fait, nous, de base, on a créé la box. En fait, c'était le showroom de Fitanark. Donc, on avait deux espaces. Ouais. Je te montre maintenant. Ouais, vas-y. Tu me racontes l'histoire en faisant visiter, t'inquiète. Donc, en gros, ça, c'est la salle de base de CrossFit Démon. Donc, c'était la première salle donc, où on faisait les cours à 10, tout ça. Ouais. Donc, on avait la partie en haut où on avait l'accueil. Ouais. Et après, le deuxième espace, en fait, c'était l'entrepôt de Fitanark. Ok. Et au bout d'un an, un an et demi, bah, la salle a pris de l'ampleur, Fitanark a pris de l'ampleur. Du coup, on a déménagé Fitanark. Mmh. Et puis, on a fait une deuxième salle où là, on fait tous les cours spécifiques. Donc, dans la deuxième salle, après, il y a des anneaux, il y a des cordes, il y a tout. On a même des pegboards pour les spécifiques. Et là, en cours spécifique, t'as vraiment tous les types de cours. T'as genre les trois weightlifting. Ouais, on fait weightlifting, on fait cardio, on fait gym, on fait stamina aussi, endurance musculaire. Ok. Et voilà. Ok. Donc on fait tous les types et après, suivant en fonction des jours. Par exemple, le lundi c'est force, le mardi c'est gym, mercredi cardio. Okay. Ça va, les gens ils y accrochent bien et tout. Ouais, ouais carrément. Bah, celui qui marche le mieux, c'est le cardio. Ouais. Après, il y a le stamina aussi qui marche pas mal. Et après, pour travailler la technique sur la force, et gym pareil, c'est vraiment technique. Donc ceux qui ont des petites difficultés, tout ça là-dedans, ils choisissent ces cours-là. Quoi. Ok. Donc c'est des spécifiques. Et ça, du coup, t'as quoi? T'as des coachs qui gèrent ces cours SP? Ouais. C'est réparti comment par rapport au staff, tout ça? Bah, en gros, nous, t'as quelqu'un qui chapeaute tout ou... Ouais, en fonction du staff, en fait, on a des coachs qui sont un peu plus spécialisés dans certains domaines. Soit. Tu vois, par exemple, tu prends Alexis. Ouais. Lui, il est vachement dans la partie force, quoi. Okay. Donc, du coup, tu sais, il fait le weightlifting, il fait tout ce qui est technique weightlifting, plus la partie un peu plus strongman et tout, avec les sandbags, avec les poignées marche du fermier, avec les flat bars, tout ça. Après, sur le cardio, c'est Christo. Ouais. Donc, qui fait la partie cardio. Et après, voilà, chaque coach, en fait, a son domaine. Et si j'ai bien compris, Christo, il a repris un petit peu la gestion de CrossFit Démon? Maintenant. Ouais. Alors en fait depuis un an et demi, en fait on a voulu vraiment séparer les deux activités, séparer les deux sociétés. Ouais. Et du coup c'est à ce moment-là où bah vu que Xavier et moi on est plus sur la partie Fitanark, okay. On a intégré Christo en fait dans le projet pour qu'on soit pour qu'il gère un peu plus, qu'il chapeaute un peu plus la partie coach, la partie gestion de la boxe quoi. Et les animaux là que t'as dans la boxe accrochés aux anneaux, ça se passe comment là? Ouais bah ça tu vois c'est quand t'as des gosses et que t'es tout le temps dans la salle. Ils sont agiles. Ils sont agiles. Ça, ouais. D'ailleurs, en parlant d'agilité, il y a le coach, Fit Process, il s'est prêté au jeu du filet. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ta technique du filet. Sur le filet? Ouais. La mienne de technique? Ouais, je voudrais bien que tu nous la montres. Tu veux qu'on te la montre? Ouais. Allez. Le pro ici, c'est Alexis sur le filet. C'est ce qu'on a cru comprendre. Par contre, alors je vais t'expliquer un truc, j'ai un peu le vertige à la base. C'est vrai. Donc la première fois que je l'ai fait. Tu fermes les yeux. La première fois que je l'ai fait, je suis à peu près resté 3 minutes en haut, tu vois, à me dire est-ce que je me lance ou pas. Bah Flo, j'ai eu cette impression aussi qu'à un moment ça a bugué, tu vois. Est-ce que le but à chaque fois c'est de passer au-dessus, c'est ça? Alors t'as plusieurs trucs. Regarde. En mode normal. Mon Flo, j'ai l'impression qu'il est plus à l'aise. Hein. Après arriver ici, t'attrapes.
Tu te penches. Ah oui, d'accord. Un petit balancier. Ouais, ah oui. Ah oui, on est sur un autre level. Parce que je crois que Flo, il a dû mettre, je pense, 2 minutes 30 pour passer au-dessus. Non, mais attends, tu veux qu'on foute la honte à Flo? Vas-y. Moi, tu veux vu. Faire Hugo? Moi aussi, je veux faire. Après. Moi, je vais faire. Et ensuite, à moi. Je vous rassure, ils ont pas commencé direct d'en haut. Hein. Allez, mets bien tes mains. Voilà. Tiens-toi bien. Facile. Bon, t'as vu la technique, Flo? Ah, franchement. J'ai l'impression que tu vas devoir nous montrer la technique. Il manquait légèrement un coach. Bah, tiens, coach. Flo, montre-nous un peu le coaching s'il a payé. Faut que je repasse direct. Ouais, mais tu passes par derrière. Pas mal, c'est quand t'arrives à prendre le petit rebond du filet pour sauter. Ouais, comme t'as fait là, c'était fluide. Tu l'as attrapé là? Ouais. T'attrapes deux côtés et après tu fais une petite roulade. Tu peux monter un petit peu tes pieds encore. Attends. Two hours later. Attrape le horizontal. Voilà, comme ça. Pareil avec l'autre main. Voilà. Et... Oh, la mobilité d'épaule. Ah ouais, je suis pas serein, tu vois. Prends peut-être un truc d'écart. J'ai peur pour tes épaules. Pas vous mentir, je suis pas serein. Tu nous fais un deadlift? Ah. Ah ouais, mon Flo, rentre la tête. Envoie les pieds là. Ah, t'as raison, la casquette elle contrebalance. Fais gaffe à toi, bientôt papa. On va pas te faire mal. Wouah. Alors, t'en es de tes émotions? C'est bon. Sensation forte. Je crois que le plus dur est fait une fois. Maintenant, maintenant faut aller vite quoi. Donc on a une petite partie extérieure aussi, qu'on a diminué, on va peut-être remettre un petit peu plus longue. Avec la chaleur qui revient. Ouais. Et après pour la boxe, là au niveau des cours, vous avez beaucoup de cours en simultané, j'imagine avec tout ce qui est stamina, tout ça. L'avantage du mur, c'est que tu peux facilement coacher. C'est vraiment deux salles, deux ambiances quoi. Ouais. Quand t'as une musique d'un côté, tu l'entends pas de l'autre. Ouais. Donc il y a certains cours qui sont en décalé d'une demi-heure, il y en a d'autres qui sont en même temps. Donc c'est le cours de midi et demi et c'est le cours après du soir où en gros t'as 4 cours dans la première salle et t'as 2 ou 3 cours dans la deuxième. Okay. Ah, c'est cool. Et après même quand il y a les deux cours en même temps, t'as un petit free access sur la mezza en haut et t'en as aussi au fond là-bas. Ok. Et t'as beaucoup de free access ou pas? T'as quoi? T'as un peu des compétiteurs, des trucs ouais, comme ça ou pas? Ouais, un peu des compétiteurs. Après souvent c'est ceux qui font la prog, la process compète. Ouais. Donc du coup ils font les blocs supplémentaires. Le bloc ou les deux blocs supplémentaires à côté. Ou en haut s'ils peuvent quoi. Ok, bah cool. Voilà. Et le matin du coup vous attaquez à quelle heure vous les cours? Alors nous c'est à partir de 10h. Là c'est le premier cours. Heures, après c'est midi et demi et après c'est à partir de 17h, il y a 4 cours le soir. Ok. Du coup niveau matos, l'avantage d'avoir aussi à côté une boîte qui fait du matos, c'est que tu dois pouvoir aussi un peu te faire plaisir dans le matos que tu mets à dispo pour les adhérents. Ça, tu sens que c'est un plus aussi sur, je sais pas, des fois, pour certaines personnes, certains coachings, notamment les cours d'à côté, ouais, tu le sens. Bah, l'avantage, c'est que on a... Puis il doit servir de test aussi un peu. Ah bah clairement. Bah nous, tu regardes la plupart du matos, moi maintenant, mais la plupart du matos, c'est presque des protos. Ouais. Tu vois, t'as tous les trucs protos, ils sont tous ici, quoi. Donc okay. C'est le grand avantage. Après, c'est eux qui testent. Ouais, c'est ça. On a beaucoup de box jump, on a même des fat bars. Ouais. Donc, t'as pas beaucoup de box qui peuvent avoir 10 fat bars. Ouais. Non, il manquerait peut-être un peu des ergos s'il y avait à dire, mais non, ça, on n'en ressent pas forcément le besoin pour l'instant. Okay. Ça fait 6 ans qu'on fait avec, donc quand t'as des cours à 10, t'adaptes toujours. Ça, on a. Ils se mettent à deux dessus, ou ils passent l'un après l'autre. Ouais, voilà. Lui, un runner aussi. Ah, on a eu la chance d'avoir un runner du coup. Ouais. Donc, cool. C'est toujours un truc cool, même si on a un bon tour de course à faire ici. Un bon petit, c'est quoi? C'est un 400, non? C'est un 400, 200 mètres. 600. Si tu fais tout le tour, celui c'est qui 600 passe mètres. Derrière là, qui monte. Ouais, ça fait une grande boucle avec des belles montées, des belles descentes. C'est sympa.
Bien joué. Merci, merci. Tiens, tu respires fort. Il n'y a plus de son, il y a juste l'image. Bien joué les filles. Bien. Ben, on se retrouve pour l'interview avec du coup l'honneur et l'adhérent comme d'habitude. L'un des honneurs. Et bah tu vas nous présenter tout ça de toute façon. Du coup je laisse la parole à Flo pour qu'il présente un peu déjà un peu lui et puis aussi sa boxe. Alors Florent, donc l'un des honneurs de CrossFit Démon, il y a aussi Xavier et Christo, donc on est trois honneurs et après on a les coachs qui font les cours. Donc sur les honneurs, il y a Xavier et moi, donc on est aussi sur Fit & Rack, donc on gère la partie Fit & Rack, et Christo donc qui prend un peu plus le relais sur la partie justement pour sportif. Voilà la partie sportive, okay. Pour gérer la prog et tout. Petite question juste, CrossFit Démon c'est ouvert depuis quand? Ça fait 6 ans. Ok, donc 2016. Ouais, ok. En 2016. Et au début, ouais. Vous avez ouvert. Vous n'étiez pas trois au début, c'est ça? Alors. Vous étiez deux au début? Au début, ouais, bah il était déjà coach, Christo. Christo, il arrivait coach. Ouais, okay. Il était coach, et puis, ouais, il y a un an et demi, juste après la. Même c'était pendant le Covid, okay. Où on a scindé les deux activités, où il a été. Ok. Alors, du coup, pourquoi avoir ouvert une box de CrossFit? Alors, pourquoi on a ouvert une box de CrossFit? Au départ, c'était aussi un showroom pour Fit & Rack. Donc, quitte à faire un showroom, on voulait faire quand même un showroom utile. Donc, pas juste mettre les produits qui sont jamais utilisés. Donc, c'était un peu notre laboratoire pour tester nos produits, tout ça. Okay. Et puis, petit à petit, la box a grandi et puis c'est devenu une vraie salle de CrossFit. Et puis, voilà quoi. Ok, cool. Et vous connaissez CrossFit depuis combien de temps avant d'ouvrir? C'était tout neuf? Ouais, ça faisait un an et demi. Après, okay. C'était plus en prépa d'autres sports. Ok. MMA ou football américain. Et puis après, moi je suis parti 2 mois aux États-Unis, donc on a un peu vu les box, comment c'était là-bas, et avant d'ouvrir ici. Ok, cool. Nickel, après, est-ce que vous avez une petite devise? Est-ce que vous avez un petit mood à CrossFit Démon? Alors on en a un qu'on a depuis longtemps, alors est-ce qu'il est toujours valable? Je pense que oui, c'est votre corps vous surprendra. Ok. Voilà, c'est bon. Pas mal. Je pense que c'est un peu le CrossFit où on se rend pas compte au début, mais. Ouais, c'est clair. On évolue vite. Exactement. Eh ben, on va parler de ça du coup avec l'adhérent que tu as choisi. Si tu peux juste nous le présenter un peu et nous dire pourquoi il est là. Alors, c'est Patrick Garcia. Il se demande bien pourquoi il est là. Il se demande pourquoi il est là. Alors, c'était le seul de dispo. Donc voilà. Merci. C'est le seul adhérent de la box d'ailleurs. Non, il en fait depuis, comment tu disais, 5 ans? 5 ans, ouais. Ça fait 5 ans qu'il est ici et puis il représente bien l'esprit de la box. Donc, c'est côté fun. Il est assidu, donc il progresse pas mal et puis voilà. Donc il a bien progressé depuis qu'il est là. Oui. Et ton corps t'a surpris? Oui. Encore ouais, aujourd'hui, je crois. C'est hein? Bon. Ah ouais. Encore aujourd'hui. Il faut la parfait. Eh ben, voilà. je te laisse te présenter du coup un peu. Depuis combien de temps tu fais du CrossFit? Quel âge t'as? Alors Patrick Garcia, 45 ans. Donc ça fait 5 ans que je suis ici au CrossFit. J'en faisais autrement chez moi, dans mon salon. Ok, voilà. Pendant bien une année et demie, 2 ans, j'en ai fait tout seul dans mon salon avec les vidéos YouTube où j'essayais de voir comment ça marchait, qu'est-ce qu'était un WOD, comment progresser. Donc ça demandait 20 minutes de préparation, je mettais mes tapis sur le carrelage, okay. La barre d'altéro devant la télé. Ah oui, tu faisais l'altéro et tout dans ouais, le salon. Ouais. Ok, d'accord, ouais. C'est mais alors technique horrible, c'était n'importe quoi. Tout seul quoi, forcément pour éviter. Ouais. Ah bah oui. Ouais, voilà. Donc c'était dur, j'avais ma petite barre de traction dans un couloir. Du coup t'attendais qu'une box ouvre dans le coin quoi. Ouais bah oui, oui. J'avais eu vent de cette box, de l'ouverture de cette box, mais ça faisait ce que j'habite à 45 minutes d'ici. Ok. Bon voilà. Mmh. Donc ça fait un peu loin. Un acharné. Oui, un motivé, très motivé. Et au départ, il y avait non seulement le tarif, les kilomètres qui me faisaient réfléchir aussi, ouais. Pour venir. Et puis après, avec ma femme qui est adhérente aussi, on s'est dit, tiens, on ne ferait pas un truc ensemble. Il y a eu un deal, on dit, ok, on fait un truc ensemble, on fait un truc avec toi, une passion avec toi et une passion avec moi. Okay. Donc je fais des cours de danse aussi. Ok. Ah, donc à la fin, on pourra faire une petite démonstration. Alors, comment dire?
Est-ce que vous en faites autant souvent que ce que vous faites du crossfit? Non, c'est une catastrophe. Donc on va éviter. On va éviter non, le... non, non, c'est la démo, on évite. Ah ouais, ouais. Bon, ça roule. Ça roule. Donc après, une fois, qu'est-ce qui t'a plu tout de suite à la salle? Parce que j'imagine que si t'hésitais au début et que finalement, une fois que t'as mis le pied dedans, t'es resté, c'est que t'as trouvé des choses qui te plaisaient. Bah déjà, le coaching. Ouais. Déjà, je pensais savoir faire des mouvements, du coup, mais j'ai tout réappris de zéro. T'as remis à la base. Ah ouais. Donc voilà, ouais, la motivation. C'est de l'ambiance avec les autres, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est un peu ce qu'on retrouve un peu dans les salles de crossfit. Ce que tout le monde dit, en tout cas, c'est un peu l'esprit communauté, entraide. Ouais. Voilà, on arrive dans la salle, on n'a pas ses écouteurs, on ne fait pas son truc de son côté. Donc, c'est agréable. Ça. Et après, la partie aussi coaching et accompagnement qui différencie beaucoup des salles, on va dire, de fitness traditionnelles. Moi, j'avais beaucoup de blessures avant le crossfit. Donc, on est intermittent, on est musicien avec ma femme, donc on fait beaucoup de voitures, on se déplace beaucoup. Okay. Donc douleur au dos, à force d'être assis des heures comme ça en semaine, vraiment j'avais mal au dos, c'était chronique. Douleur à l'épaule que j'avais depuis des années, qui partait pas. Et au bout de 2 mois de travail de mobilité, de renforcement, j'ai plus jamais eu mal depuis. Ça fait 5 ans, je touche du bois. Nickel. Du coup, je vais revenir un peu avec Flo pour nous parler un peu justement de la programmation. Un peu, déjà depuis quand tu as la programmation Fit Process? Je sais même pas. Moi non plus, je sais pas. Non plus, je sais pas. Non, je me rappelle plus. Ouais, j'allais dire 6 mois. Ouais, ce que j'allais dire, 6-7 mois. Ouais, je pense que c'est un truc du genre. 6-7 mois, ouais, bah on a pris la prog classique, donc pour la boxe, et on a la prog compète aussi, en plus, pour les boxes supplémentaires. Alors, pourquoi on a pris la prog? Alors nous, avant on avait Contrain. Ok, vous avez déjà une prog extérieure. Ouais, on avait déjà pris une prog extérieure. Donc, c'est un peu le souci, mais en fait, l'avantage d'avoir une prog extérieure, c'est que il y a moins d'a priori, en fait, vu que nous on a 6 coachs qui coachent. Donc on va dire, s'il y en a un qui fait la prog, t'as toujours un peu les avis des uns des autres. Okay. Donc là, au moins, on sait que ça part. Et après, ils peuvent par contre s'éclater sur les WOD spécifiques. Là, c'est eux qui font la prog des WOD spécifiques. Donc ils ont quand même leur partie à eux. Et après, ouais, pour revenir sur Fit Process, donc pourquoi on a changé, c'est parce que c'était surtout en fait entre... On avait un gros delta entre les compétiteurs. Quoi, les compétiteurs ou ceux qui s'entraînaient un peu plus. Voilà, un peu plus. Et monsieur, madame, tout le monde qui venait. Et en fait, on a, le gros avantage qu'on y a trouvé, c'est justement les blocs supplémentaires de la prog compète qui peuvent se faire en plus du WOD avec les autres. Parce que bah, ceux qui faisaient en gros une prog compète ou quoi, ils s'entraînaient à côté, ils faisaient presque plus les WOD, quoi, ou ils en faisaient beaucoup moins. Ouais. Donc là, l'avantage, c'est que ça permet de regrouper tout le monde et puis ça matche bien. Donc là, tout le monde refait le cours, le WOD du jour, on va dire. C'est ça. Et après, chacun fait ses blocs en plus s'ils veulent. Quoi. Ouais, et puis en plus, ça se fait bien parce qu'en gros, à côté, on a des cours à partir de 18h. Okay. Donc en gros, ils peuvent faire. Il y a beaucoup de place à côté pour faire avant et après, ils font le WOD après avec tout le monde. Quoi. Ok, top. Après, je sais pas si vous avez un dernier mot à dire ou une danse à faire. Comme, ou un morceau de musique. Ou une musique, Pat, hésite pas. Je peux faire de l'air guitare, ça fera pas grand chose. Non. Non. Merci pour le suivi, merci pour d'être venu nous voir. Plaisir. Et puis à bientôt à Genas ou à CrossFit Démon. Avec plaisir. Pas merci pour m'avoir piégé. J'espère que cette petite visite à CrossFit Démon vous a plu. Vous pouvez les retrouver, ils sont du côté de l'Ouest lyonnais. À Dommartin exactement, donc n'hésitez pas à venir faire un petit drop-in ou venir essayer si vous n'êtes pas loin. Bye.